best-seller incontestable du constructeur tchèque. La Skoda Octavia arrive à mi-carrière et passe par la case restylage. Elle circule sur nos routes depuis quelques semaines déjà. Son arrivée au Maroc a été officialisée la semaine dernière à Casablanca. Skoda fait le choix d'avoir des véhicules très bien équipés, à des prix très compétitifs. Et ça nous a permis de passer de 2015 de la troisième position du segment, à en 2016 la première, et ça a été confirmé sur les quatre premiers mois 2017. La nouvelle Octavia a deux maîtres mots. Un, plus d'émotion. Deux, plus de technologie. Plus d'émotion avec un moteur 143 chevaux qui est conservé mais qui est toujours aussi performant, alors que sur le reste du marché, les véhicules ont plutôt des véhicules entre 90 et 110 chevaux. Donc un véhicule plaisir, beaucoup d'émotion avec beaucoup de reprises. Le public marocain demande de la technologie. Donc vous avez la technologie LED qui donne plus d'émotion. Vous avez toujours le Smart Link. Vous avez aussi la norme QI de rechargement sans fil de votre téléphone mobile. Beaucoup de nouvelles technologies sur l'Octavia qui sont habituellement réservées au segment du premium. Esthétiquement, l'essentiel du changement se concentre sur la face avant avec une calandre redessinée et de nouveaux optiques qui ne font pas vraiment l'unanimité. À l'arrière, les feux sont retouchés et deviennent à LED. Et c'est tout. Dans l'habitacle, le changement se fait aussi par petites touches. On note l'introduction de nouveaux matériaux dont la qualité perçue a été améliorée, sinon, l'habitabilité à bord reste toujours le point fort de l'Octavia. En fait, le plus gros changement de ce restylage, c'est la connectivité. De série, l'Octavia est équipée du tout récent système multimédia Skoda. Elle est désormais compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La PhoneBox accueille et recharge les smartphones par induction. Et l'écran tactile de 6 pouces et demi réagit désormais au toucher du doigt et non à la pression. Pour son lancement dans le royaume, l'Octavia restylé est proposé avec 3 niveaux de finition. Le 2 litres TDI de 143 chevaux est le seul moteur qui sera de la partie. Il peut être couplé à une boîte manuelle ou DSG si rapport. Le nouveau moteur européen Euro 6 va s'abîmer dans le temps, alors que le moteur que nous importons aujourd'hui au Maroc et qui est validé par le groupe Volkswagen est un moteur qui est fait pour être fiable pendant des dizaines d'années. Quelle que soit la qualité du diesel que vous mettez dedans. Il n'empêche que ce moteur est quand même un moteur récent et amélioré constamment par le groupe Volkswagen pour être toujours à la pointe de la performance. Pour son introduction, la Skoda Octavia est 15 000 dirhams moins chère et ses tarifs débutent à 199 000 dirhams. À très vite sur rendez-vous.com.